tous, c'est MSA63, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo annonce aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais envie de reprendre le genre de vidéo annonce que je faisais avant, parce qu'aujourd'hui tout simplement j'ai une annonce, comme vous l'aurez vu dans le titre, à propos de Farming Simulator 2017. Alors cette annonce tout simplement c'est, donc vous savez que pour les fans, ou alors pour ceux qui sont qui suivent la page Facebook de Farming Simulator, vous savez qu'en ce moment se déroule tout simplement la FarmCom, qui est donc tout simplement un énorme salon où on regroupe plein de développeurs de jeux, par exemple, comme ceux de Catalan Crop de Farming. Et c'est aussi un salon où on retrouve plein de personnes du monde agricole. Et donc tout simplement, ils ont dévoilé, et puis Farming Simulator nous l'a annoncé donc sur leur page Facebook, tout simplement un nouveau DLC qui arrive, tout simplement le Platinum Edition de Farming Simulator 2017. Alors avant de vous en dire plus, je tiens à vous montrer donc simplement le gameplay, enfin on va dire l'espèce de petite annonce un peu qui nous a été présentée à la FarmCom. PEGI 3. Comme vous l'aurez vu déjà, donc je vais commencer par ça. On n'en a pas vu énormément, mais on a vu donc la grosse nouveauté de ce DLC. Il y aura tout simplement la culture de canne à sucre. Donc vous avez vu que donc simplement cette machine, si vous ne savez pas à quoi elle sert tout simplement à récolter le canne à sucre. Et donc justement cette édition Platinum, pour moi ça me fait un peu penser donc justement à l'édition Gold qu'on avait pu avoir donc sur Farming Simulator 2015. Pour ceux qui n'avaient pas essayé, donc simplement, donc en fait. Il y avait deux choix, soit on t'achetait, si tu n'avais pas eu le jeu, donc Farming Simulator 2015, tu pouvais acheter Farming Simulator Gold avec donc ce DLC offert dedans, et sinon donc, il y avait la version DLC comme ça à côté. Donc voilà, donc simplement c'est en fait, j'ai remarqué qu'en fait donc, c'est un peu le même principe, car simplement ils nous ont annoncé dans un topic qu'on pouvait quand même acheter le jeu et y jouer. Ce n'est pas un DLC du style il faut posséder le jeu pour pouvoir y jouer. C'est simplement, si on peut acheter le Farming Simulator 17 édition Platinum et jouer comme ça, sans découvrir le Farming Simulator 17 d'avant. Donc ça, c'est quelque chose qui reste quand même assez bien. Et on a remarqué aussi que simplement dans les environnements, ça va changer. Donc justement, on se retrouve, je sais pas tellement où est-ce qu'on pratique la canne à sucre, mais je dirais plus, au profit du trailer qu'ils viennent de nous présenter, je pencherais plus pour un style un peu espagnol ou alors mexicain. Moi je dirais plus de l'espagnol quand même, on a l'impression de plus être en Espagne. Et si c'est le cas, je trouve qu'il se rapproche de l'Europe, parce que c'est vrai que Farming a toujours eu donc sa valeur sûre avec l'Amérique, avec les autres pays concurrents, mais jamais en Europe. Donc déjà aussi on a une grande nouveauté. On a donc simplement donc ce DLC va sortir donc sur PC, Mac, Xbox One et PS4. De ce qui est sûr c'est que le Platinum, moi je l'achète sur PC car il est vraiment sympa. On a eu quelques images, notamment une d'un Massé développé, enfin sorti par Farming, tout simplement un Massé sans cabine, voilà, un Massé ouvert. Donc elle a l'air vraiment un peu bizarre, on dirait un peu les modes modifiés que font certains modeurs, c'est assez bizarre. On a eu aussi donc la date de sortie, donc simplement ce DLC sortira le 14 novembre de cette année, donc 14 novembre 2017. Et donc voilà, donc ça promet, franchement ça a l'air pas mal. Ils nous ont aussi annoncé qu'il y aurait plein de nouveaux véhicules. Hein. Donc voilà. Donc et ben écoutez, il me semble que c'était tout ce que j'avais. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ça fait quand même déjà pas mal à engloutir. Mais bon, on espère qu'à la Gamescom ou à l'E3, enfin l'E3 est déjà passé, mais on espère qu'à la Gamescom ils nous dévoileront plus. Car au moins des gameplays qu'on puisse y jouer. Bon, je dirais pas la Gamescom, hein, faut pas rêver non plus. Mais voilà. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours très bien, il dure de plus en plus sur la chaîne. Et moi je vous dis, bye tout le monde.